Il y a une vie après le staff Benda Bilili. Plusieurs ex-membres du groupe de musique quinoise ont décidé de se retrouver autour du franco-britannique Dr. L pour former les Mbangawa Star. À l'arrivée, ça donne un savoureux mélange de rumba congolaise et d'électro-rock. Les Mbangawa Star étaient sur scène ce week-end près de Paris. Pascal Achard, Julien Munzer et Julien Bouillez y étaient. Entêtant, le rythme, électrique, le son. Envoûtante, ces voix venues de Kinshasa, les anciens du mythique groupe Staff Benda Bilili ont encore fait très très fort avec leur nouveau groupe Mbangawa Star. On a changé, moi et Coco, on a changé le rythme. Parce qu'avant, nous faisions d'accord le style artisanal, local, de guitare de Kinshasa, fabriqué à Kinshasa. Quand on a créé Mbangawa, on a changé le son. Et maintenant, c'est électrique. Donc, c'est rumba rock. On utilise maintenant rock électronique. Donc, afrobeat. Mbangawa, le changement en lingala et un premier album from Kinshasa qui se pare de son électro trituré par Dr. L, musicien et producteur franco-britannique. Un groupe enrichi aussi de jeunes talents locaux. Kinshasa, troisième plus grande ville d'Afrique, vibre, bouillonne de multiples artistes encore méconnus. Nous avons des projets de construire aussi un studio un jour. Parce qu'à Kinshasa, il y a trop de musiciens du ghetto qui n'ont pas ce moyen pour s'en sortir, quoi. Révéler de nouveaux prodiges, créer une école de musique et aussi aider les personnes handicapées, l'aventure du Mbangawa Star ne fait que commencer.